ici Gorgan2A pour Games2A TV. Oh. Ah purée, arrête-moi cette musique, mais ça va pas, non, qui c'est qui écoute des trucs pareils? Donc je suis avec Marco. Hey. Où on va, Marco? On va faire des courses? Ouais, bah ouais. Alors aujourd'hui, t'as un jour assez spécial, parce qu'hier, un type nous a contacté pour nous dire qu'il avait des trucs, bon, pas à nous donner, mais à nous vendre. Tu peux tenir. On a dit bah on vient de suite vu le tarif qu'il nous a proposé. Bon, on parlera pas d'argent par contre, on vous dira pas combien ça nous a coûté. D'ailleurs on attend de voir la marchandise, tellement c'est pas cher, on s'est dit ça doit être un traquenard, donc. Guet-apens. Guet-apens, on a pris les battes de baseball. Au cas où. Parce qu'à mon avis, il y a des gens qui nous attendent. C'est trop chelou. Il y a de tout. Il y a de la Neo Geo CD, de la Vectrex. Mais on n'en dit pas trop. Je dis pas trop. Bon, j'ai dit que ça alors. Je dis que ça. Tout dit. On va voir. On va voir. Pour un prix défiant toute concurrence. Donc, comme j'y crois pas, je vais faire une vidéo. Et ce sera la preuve de tout ce qui va nous arriver aujourd'hui. On sait pas trop. C'est l'aventure. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour quoi? Générique. Hein, quoi? C'est quoi? C'est parti pour quoi? À 3 heures de route. Allez. Ah oui, on va à l'île Rousse. Il est à l'île Rousse. L'autre côté de la Corse. On va plus vite à Paris. Allez. Ciao, ciao. Tchuss. Saint-Florent, enfin on n'est pas très loin, on doit être à 20 minutes, même pas. Et on espère que notre ami, dont on ne connaît toujours pas le nom, ni le visage, ni l'adresse, rien, on y va, mais on est fou. Qu'est-ce que t'as pas ? Je sais pas ce qui va arriver. T'as pas peur ? Moi ? Ouais. Non. Non, hein, on n'a pas peur. On n'a pas peur, hein. Au pire, hein. Puis on paye 10 euros, c'est ça, ouais, c'est 10 euros. Ouais, on vous racontera. Hein. T'as pas peur? J'ai pas peur. T'as pas peur? Je sais pas qui c'est, j'ai pas peur. Ah, il est gentil. Il est gentil? J'ai eu une fois au téléphone, il est gentil. Allez, nous ralentissez pas, bordel. Bonjour, alors je sais pas encore s'il accepte d'être filmé, alors pour l'instant je me filme qu'à moi. Bonjour. Charlie. Un petit peu. Hop là, c'est bon, on a les preuves. Donc Charlie, Marco. Florent. Comme Saint-Florent. Florent ? Comme Saint-Florent. Je crois Florent, ouais, on est pas loin. Donc voilà, on vient d'arriver chez lui. Je vous montre pas trop les plaques d'immatriculation, sinon après. Voilà, on est pas loin de l'île Rousse. Pas loin de l'île Rousse, de Saint-Florent, justement. Je suis sûr que c'est un traquenard. Je suis sûr. Bon, voilà. On va rentrer dans mon ventre. Marco, t'as le flingue ? Il y en a un peu partout. Hop, 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 et voilà, ça c'est la cause. Hop, hop, hop. C'est quoi cet engin? Et là, il y a 10 000 jeux dedans. C'est quoi, sous Hyperspin? C'est, ouais, si vous voulez, au jeu. Attends. Mais où tu as fait faire ça? Sur le continent. Merde. Là, j'ai mis... En fait... C'est quoi, ça reprend les bandes de Naomi, c'est ça, non? Il y a tout dessus. Non, mais à la base, c'était... Ouais. C'était déjà une bande d'arcade, en fait. C'était... En fait, il y a fonction mesure. C'est Arcade Activity qui fait ça. Donc voilà, il y a ici. Alors là, il y a des jeux. Il y en a des quasiment complets, plus ou moins. Vous avez la Mega Drive. Comme ça. Bon, tu vois, celui-là, je l'ai pris que pour la pochette, par exemple. Tu vois. Bon, après, je joue un peu, mais il est pas mal, en fait. Il y a ça, donc il y a de la Mega Drive. Pas mal. En boîte, Wonderland, je crois que celui-là il déconne. Je l'avais acheté à Paris dans une boutique et il grésillait. Voilà, c'est bon, là ça marche, on ira après voir là-bas. Voilà, il y en a, ils sont en double exemplaire. En plus, vous avez la Master System. Mais c'était double ça ou c'est. Non, ça c'est. Il y a un peu de. C'est des modèles uniques. Bon, il y en a unique, il y en a des doubles. Bon, il y en a des vides, je sais pas où ils sont les. Bon, je vais te baisser un peu. Attends, je t'embête pas. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que j'ai du formol dans la poche et que je vais l'endormir. Les manettes, l'adaptateur, il est là. Bon, voilà, c'est poussiéreux. Hein.
Il y a les manettes Dreamcast avec les... Ouais, là. Après, vous voyez l'eau qui s'est allée. Ouais, peut-être qu'il y a de la poussière, ça nous dérange pas. Je vais vérifier de temps en temps, parce que des fois, il y a des trucs qui vont pas être... Qui ont rien à voir. Bon, après, là, je vois qu'il y a des boîtes, mais des fois, il y en a... Dans les jeux Master System, je crois qu'ils sont en dehors des boîtes, certains. Et des fois, il n'y a que des boîtes. Il y a de la NES, il y a de la Super NES, Mega Drive. Il y a de la, voilà, la Master System. Oh, Super R-Type, putain, bon. Avec la boîte. Ça, c'est mon CD préféré. Ça, il y a là, celui-là, il y a la boîte. Ah, les gars, ça, les gars, vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. C'est The Shoot'em Up, quoi. Et voilà, après, il y a une cinquantaine de jeux Dreamcast, comme ça. Avec Shenmue, Shenmue 2, que j'avais racheté. Il y en a, ils sont même encore emballés. Ah. Mais Ah. Voilà, tout ça, tout ça. Tout ça. Putain. Ça. Et voilà, ça c'est que de la Dreamcast. Ah, il y a là, du Mega CD. C'est pareil. Mon jeu préféré, d'une. Oh, ah ouais. Après, vous avez de la PC Engine. Il y a encore du Mega CD, du Mega CD, du Mega CD. Oh. Du Final Fight en Mega CD. Ah ouais, Charlie, c'est vrai, et là il y avait les trois joueurs là. Hein? Le Final Fight, il y a tout ça. Sa fille, c'est Underdog. Alors ça c'est Final Fight sur Mega CD, avec les trois personnages. En fait, je l'avais sur Super Nintendo, mais frustré, parce que la version Super Nintendo, tu pouvais jouer qu'à un personnage, tu pouvais même pas jouer à deux. Ouais, c'est horrible. Et il n'y avait pas Guy, il manquait Guy. Guy. Et après, il y a Guy. Et là il y a Guy, et sur la version Mega CD, il y a tout le monde. Là c'est le vrai d'arcade, c'est celui-là. Là c'est la Dreamcast encore. Donc il y a un paquet de trucs. Par contre la PC Engine, il faut la vue, vous êtes des bricoleurs. Oui. Ouais. Parce qu'elle sont noir et blanc. Il faut la retoucher derrière, moi j'ai jamais su faire, j'ai jamais voulu toucher. De toute façon j'en ai une autre qui est défectueuse, pas de deux, j'en fais une. Mais elle marche, hein. Ouais. Elle marche, hein. Bah moi aussi, l'autre ça, que j'ai, elle s'allume, mais des problèmes d'affichage. Alors ça, c'est les connectiques de toutes les consoles. Attendez, putain. Souris, là, quoi. Le Géo, la PC. Donc ça, c'est bon. Ça. Alors, les consoles. Vous avez... Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi les consoles. Une NES. Les poils du chien, je les garde aussi. Il y a une deuxième NES. Oh. Le Mega Drive. Il y a une Super Nintendo. Ça, non, c'est pas du tout, ça vient. Allez, allez. PS1. Deux. Ah, c'est bien, avec le 3 7800. Ah ouais, la fameuse. Une autre Super NES. La PC Engine. Ah ouais, ça c'est la Mega Drive. Ça c'est la blanche que j'ai. La Neo Geo CD. Oh, elle est énorme. Attention, c'est tout ça là. Les autres, non, celle-là. Là voilà, là où il y a notre Mega Drive avec c'était là, c'est la première console Android qui a fait un flop monstrueux, la Master System. Donc notre Mega Drive avec le Mega CD, une ça, je sais plus si c'est la puce ou pas, la GameCube, c'est un sketch. Il y a une caméra cachée, je sais pas. Tiens, j'ai jamais réussi à m'en débarrasser, vous portez avec. C'est le tapis de la... C'est pas vrai. C'est rigolo, ça. Ça peut faire une... Ça peut faire un truc, c'est ça. Génial, pour une animation, ça va être... Mais oui. Mais méga top. Bah après, ça existe aussi sur PS2, non? Non, mais là, c'est Mario. C'est le Mario, ouais, c'est nul, non? C'est le Donkey Konga vers son tapis, quoi. Purée, ça plus le Donkey Konga, ouais. Ouais, tu rigoles. Allez, Trex. Ah, la frappe. Avec tous les jeux. Il y a une cassette avec les jeux. Ouais. Et ça après tu modules le truc. Ouais, je vois, ouais. C'est un genre de... Devil Drive. Devil Drive.
Voilà, et attends. Mais c'est un officiel en fait. Ouais, ouais, ça c'est officiel, ouais. Ouais, ils avaient fait. Non. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais qu'ils sont en boîte, ça c'est normal. Ça c'est la Vectresse, on sait jamais dans quel sens il faut la filmer. Comme ça, comme ça, on sait pas. Est-ce qu'il est le cucu, il y a des dés. Ah, je remets dedans. Moi j'aime bien. Ah oui, c'est sa maison, hein. Voilà. C'est sa maison, hein. C'est que des jeux à 7800. Le meilleur, c'est celui-là. C'est quoi, non? C'est Heroes, tu vois, vous allez le voilà, il est au je connais pas. Pitfall. Pitfall. Ouais, ah, putain, moi, j'ai... le 2 je savais pas qu'il y avait le 2. Ouais, il y a le 2 et le 1. Le 1, j'ai joué, je vais pas dire des heures, c'est faux. Des jours. Berserk, il est bien aussi. Celui-là est pas mal aussi. Ouais. Ça, c'est les deux. Après, souvent, parce que souvent, le jeu a terminé 7800. C'est marrant, tu le mets, tu regardes 30 secondes et puis tu changes parce que c'est chiant. Le Pac-Man. Le fameux. Putain, c'est celui qu'on voulait mettre, justement. Il y est pas sur la. Non. L'Atari Mini, là. Ah, putain, je viens de l'acheter celui-là. Merde, si tu l'avais. Moi, je me suis pas ruiné, hein. J'avais payé 5 euros. Mais... Xevious, on est sérieux? Xevious, sûr. Ouais, 7800. Ah ouais, ouais. Il doit être aussi merde que sur Nel. Hein. On va faire le tour. Celui-là, il est merde, celui-là. Il y en a, je les ai allumés, j'ai toujours pas compris comment faire pour jouer. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a que c'est. Defender, il est au top. Je crois que celui-là, il est au top. Il y en a deux ou trois qui où le gameplay il est vraiment bien. Tu t'amuses encore, toi. Mais la plupart de 7800, tu l'allumes, tu regardes pour la nostalgie. Puis. Ben, en fait, Mario, le premier Mario. Oh, bien. Ça aussi, c'est bon à mettre. Ouais, génial. Celui-là. Injouable, je sais pas, je sais toujours pas comment on fait. Mais des fois, il faut juste aller le plus loin possible. C'est celui-là. Faire le plus gros score. Non, mais celui-là, faut même arriver à décoller avec celui-là. Ah, rien que ça. Celui-là, il est bien aussi. Celui-là, il est très bien. Ah ouais. Vanguard est très très bien. Voilà. Pole position, je l'avais. Et ça marche, hein, non, tous les jeux. Ils marchent. Space Invader, évidemment, ça c'était la base. Voilà, le 7800, tu joues un quart d'heure, 20 minutes, après, arrivé à 20 minutes, les couleurs, elles commencent un peu à changer, tu vois. Mais voilà, ce que je vous avais promis. Bah, c'est oufissime. T'as dû chercher un mouchoir, des couleurs. Mais du coup, t'as intérêt à venir quand même, hein, parce qu'on t'invite à faire du tapis. Ah ouais. Ah oui, ça c'est pas pour jouer à la maison, ça va être... Il y a même le jeu. Alors même si t'avais pas le jeu, on se serait démerdé parce que. Mais bon, il est sympa, il est rigolo. Ouais. Mais du coup, tu débrasses tout vraiment parce que tu as la borne ou c'est juste tu en as un cul quoi. C'est principalement parce que, bon, par rapport à la borne, si j'avais pas eu la borne, je pense que j'en aurais gardé. Mais après, c'est la télé. Moi, j'arrive plus à voir des télés avec les cathodiques. Voilà. J'en avais quelques-unes, j'en ai acheté une par une. Puis après, j'ai plus trop la place. Et surtout que là, il faudra que je fasse de la place. Donc. Je me suis dit, je vais le vendre sur eBay, après j'ai dit, je préfère le vendre à quelqu'un d'ici, tu vois. Déjà rien que parce que j'avais pas envie d'envoyer les paquets. Et tant qu'à faire, autant rester à. Je préférais que ça reste en Corse avec des passionnés de Corse. Et je pensais être le seul, dingue, d'avoir des jeux, des vieux jeux. Eh non, il y a deux Mongols aussi. Je ne suis pas le seul. Rien quoi. Des consoles qui ont ressorti du Carrara. Va remplir la voiture, je le retiens là, vas-y. Putain, il n'y a plus de place. Marco, il n'y a plus de place. C'est rien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait tomber? Marco, il a cassé les jeux. Pareil, tu vois, je me suis mis en position de fuite parce que j'étais méfiant. Hein. C'est, je te promets, ça, je me suis dit, imagine et tout. Il y en a encore, hein. S'il y en a avec moi, comme ça. S'il faut fuir vite. Attention, là, le carton, hein, pour ne pas. Ah, c'est pas toi qui l'as, Vectress. Vectress, tu la mets sur tes genoux. What? Et je vois pas où. Elle trouve un autre truc sur le genou. Hein. Alors. Regarde, si on pousse. Si on met PS2. Au milieu, il tient pas. Mais ça, tu prends toute la place avec ton siège. Je l'ai avancé. Tiens, ouais? Oui. Ah bon. Toi, tu veux être à l'aise, pense au. Hein, là, c'est bon. Là. Là, je pense que c'est l'endroit idéal.
Bon, Marco, tu vas être serré, c'est pas grave. Mais c'est pour la bonne chose. Hein. J'espère que je me réveillerai jamais de ce rêve, tu vois. Putain. Bon. Mais merci encore. De rien. Rentre très bien, rentre doucement. Bon, super, super, avec, merci. Avec le smiley en tout cas. Génial. Génial, on te donne des nouvelles très vite. Ouais, ouais. Vite, fuyons, fuyons. Fuyons, moi je dis que c'est pas fini. Hein. Ils peuvent encore nous attraper, donc c'est la gueule. Tout est bien mis, on n'a rien abîmé. Je sais pas. Moi j'ai tout jeté dedans. Je vais pas jeter, Marco. Putain, Charlie. Putain, les clés, où sont les clés, Charlie? Qu'est-ce que c'est ça? On est riche, Marco, on est riche. On va aller au sexuel. On va tout revendre sur le bon coin. Ouais, non, regarde que non. Non, évidemment, je plaisante. Mais c'est bizarre. C'est une sensation bizarre. Là, on voit pas ma tête, peut-être parce que j'avais les casquettes. Alors on repart avec. Je sais combien il y a de consoles, une dizaine. Je sais pas. Ils nous avaient donné des consoles en double. Des Super Nintendo. Ils se sortaient des Super Nintendo. Ouais, j'en ai une là. Ouais, en là, tout, il y a 3 Mega Drive. 2 Super ça. Nintendo. 2 Mega Drive 2, 1 Mega Drive 1, Mega CD. On s'attendait même pas autant. Mais ils nous avaient dit qu'il y avait beaucoup de trucs, mais. Par contre, le nombre de jeux. Ouais, je suis impressionné. J'ai jamais eu. Putain, ça fait pourtant. Et c'est pas des jeux de sport. Hein. C'est ça, en plus c'est des jeux choisis, c'est des bons jeux quoi, c'est pas des lots de jeux à la con avec des jeux de fou. J'ai peur qu'on ait des toits à l'arrache là, non? Non, non, non. Tous les boîtiers, ils étaient pas cassés. Hein. Je vais doucement dans les virages, on va mettre 4 heures pour rentrer. Bah les couilles. C'est pas grave. Le tout c'est d'arriver entier, enfin surtout les consoles et les jeux. Bon ben, bon, on vous parlera pas de prix, hein, on vous dira pas combien ça a coûté tout ça, mais je peux vous dire qu'il a fait un geste. Énorme. Ouais, c'est comme gratuit. C'est, ouais, ouais, c'est comme s'il nous l'avait offert. Ouais, c'est comme cadeau en fait. Voilà. Cadeau pour ce qu'on fait et pour faire partager en fait. Tout simplement. Voilà, bon. Et je dis pas. Vous aussi, offrez-nous des trucs. Là, on est rassasiés, mais. Dès qu'il y a un stop. C'est là qu'il faut tourner, là-bas? Non. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est... La mouette, elle est où la mouette? La mouette, c'est là. Ouais, allez, bon, on se casse. Bon, étonnamment, il n'y a personne qui nous a attendu pour nous fracasser la gueule. J'étais persuadé, moi, que c'était un traquenard. C'était pas possible. Tout ce qu'ils nous annonçaient, je dis, non, l'effet d'annonce, il est trop énorme. On peut pas t'annoncer comme ça, ouais, si tu veux, tiens, j'ai ça. Oh, et pour un petit peu d'argent en plus, tu peux avoir une Vectrex aussi, ça te dit. Mais quoi, tout ça est... Franchement, on n'aurait jamais eu assez d'argent, même en économisant toute l'année, on n'aurait pas pu l'acheter quoi. Là, il nous fait un don. Pour moi, c'est un don. Même si on a payé quelque chose, c'est un don. Oui, c'est un don. Un don. C'est un don. D'accord. Un don du ciel. Merci, merci Florent. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et bon, et à bientôt pour. On va dépoussiérer tout ça, on va vous montrer hein, un petit peu toute cette collection dans une autre vidéo plus tard, dans peut-être même plusieurs vidéos plus tard. Oui, hein, je crois qu'on a de la matière là. Allez, à bientôt, ciao. Ciao.